Et ça fait donc 41 matchs de championnat d'Espagne sans défaite pour cette équipe du Real Madrid, à deux matchs du record du FC Barcelone cette année. Oui, ben on avait parlé avant la rencontre, il fallait passer déjà celui-là de Villarreal. C'est fait, et vu le rythme de Real, je pense qu'ils vont rapidement passer devant le Barça. Là-bas en Espagne, ils ont donné l'homme du match à Valverde. Pour nous, c'est plutôt un Brésilien. Oui, on est d'accord. On est d'accord, je signe. On revient sur quelques moments magiques de son match. Vous l'avez trouvé plutôt en jambes, non? Oui, parce que le début de match, on n'a pas trop vu avec ce système qu'il était plutôt sur le côté. Il ne savait pas trop jouer avec lui. Mais après, il a commencé à accélérer fin de première période. Il a commencé à mettre en difficulté l'équipe de Villarreal. Mais pas vraiment juste sur la fin, sur la dernière passe. Il faisait la différence. Il a provoqué. Il a mené deux ou trois joueurs sur lui. Là, encore une fois, il a Mbappé qui fait le décalage. Il va avec trois joueurs sur lui. Il tente la frappe. Elle passe pas loin. Mais il y avait toujours deux, trois joueurs sur lui pour essayer de le bloquer. Ça le fait de bien parce que ces derniers temps, il faisait pas vraiment de bons matchs. Et là, il a retrouvé vraiment les jambes. Il a commencé à faire des gris. C'est que tout va bien pour lui. Non, mais je trouvais assez intéressant. Aussi, ouais. Mm-hmm. Voilà, et puis cette chute. Oui, mais pas trop. Est-ce qu'il avait déjà mal avant? Est-ce que voilà, c'est la trêve internationale. Bon, on peut sortir blessé en épaule. Ouais, mais pas prendre de risques. Faut voir vraiment la gravité de sa blessure. D'accord. On va espérer que ça soit pas quelque chose de très grave, parce qu'en fin de rencontre, on a plutôt l'impression qu'en ce qui concerne Dani Carvajal. Ça peut être plus sérieux. On va revoir l'incident qui a laissé le défenseur à terre. Il a hurlé de douleur tout de suite. C'est en donnant un coup entre les jambes de son adversaire, non? Oui, parce que comme il veut dégager, et on le voit bien que c'est le genou qui est en tension, voilà, qui le prend. Et sa jambe, là, il n'est pas du tout... Allez, comme c'est... Ça fait tout de suite mal. Il faut suivre ce qu'il veut. Voilà les infos pour savoir ce qu'il donne, ça, parce que là il va essayer de dégager. Et on le voit bien que ce n'est pas le coup du pied, c'est vraiment le tibia, le genou. Et là ça tire un petit peu, c'est une luxation. Il faut voir vraiment la gravité. En tout cas là, elle a l'air d'être très très grave, mais il faut suivre les examens pour voir comment va évoluer cette blessure. Il a quitté ses partenaires en pleurs. Vous avez, à un moment donné, Sonny, vous vous êtes posé la question par rapport au ligament? Oui, parce que comme il était en tension comme ça, son geste, il a mis la main tout de suite sur le côté. Je me suis dit, j'espère que ce n'est pas vraiment le ligament croisé. Et on le voit qu'il fait quand même un geste quand il est par terre, sur le genou, parce que là, il met la main tout de suite à l'intérieur de son genou. Est-ce que c'est un ministre interne? En tout cas, ça a l'air grave. Oui, ça a l'air effectivement l'un des héros de la finale de la Ligue des Champions, bien évidemment, pour le Real Madrid, butant en finale Carvajal lors de cette finale l'été dernier. Le match de Kylian Mbappé, évidemment, ça nous intéresse. Lui qui ne sera pas avec la sélection donc pour les deux matchs à venir pour l'équipe de France, mais qui était titulaire ce soir, remplacé au bout de 70 minutes. Vous l'avez trouvé comment? Ouais. J'ai trouvé c'est pas son meilleur match avec le Real. Il a essayé de décrocher, d'accélérer, de faire des gestes, essayer de trouver des solutions, mais pas d'occasion de but. Il a quand même accéléré beaucoup, je trouve, pour une blessure musculaire. Il n'y avait pas de retenue. Il a accéléré, mais il n'a pas eu d'occasion. Il n'a pas eu vraiment de possibilité de voir une frappe de cadrer, vu que le Real n'a pas beaucoup été dans la surface de réparation pour frapper. Là, il y a une frappe qui est contrée, encore une fois, mais beaucoup, encore une fois, aller sur le côté gauche pour essayer de faire la différence. C'est là où il est le plus à l'aise. Ils ont permuté un petit peu plus que d'habitude, effectivement, oui. les deux de devant. Mbappé qui va côté gauche et Vinicius qui vient dans cette position d'avant-centre. Oui, mais on le voit que Vinicius, quand Mbappé était sur le côté, il rentrait dans l'axe pour prendre la place
d'avant-centre. Là, il a des fois qu'il va sur le côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mbappé le donne, il continue. Et Vinicius le voit, il donne ce ballon. Malheureusement, il est un peu court à la sortie de gardien. Et là, il est remplacé par Rodrigo. Toujours la même histoire de préserver encore par rapport à la fin de match. Voilà, pas beaucoup de ballons touchés, 3 tirs. Il n'y en avait pas un cadré, mais c'est un bel arrêt du gardien devant lui sur ce contre, effectivement. Kylian Mbappé était là, il était titulaire et il sera au repos, aux soins. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours à venir? Ce qui va se passer, c'est qu'il va s'entraîner normalement, il va se soigner. Il sera tout seul, hein, parce qu'ils sont tous internationaux. C'est assez drôle quand vous n'êtes pas sélectionné, que tout le monde part, vous êtes resté tout seul. Et il a le temps de se faire une santé physique aussi, de devoir se reposer, de travailler avec L'Oréal. On va voir si ça va payer pour son retour dans 15 jours. Et donc, le Real Madrid a battu Villarreal par 2-0, mais avec des joueurs blessés. On va en parler avec Sonny Anderson. D'abord, Sonny, votre réaction sur le match en général et cette victoire de nouveau donc pour le Real? On a vu que le Real a souffert quand même, parce que Villarreal a quand même eu des occasions. Mais avec deux frappes de loin, avec Valverde et Vinicius, ils ont su gagner ce match. Ils restent toujours invaincus à la maison. Et oui, 2 tirs cadrés pour le Real Madrid et 2 buts. Regardez ce corner. Bien joué à Bellingham qui laisse passer ce ballon. Valverde de 25 mètres dévié. Oui, c'est une belle combinaison, ce corner tiré par Modric. Bellingham, il sait, Valverde aussi, c'est travailler à l'entraînement, il laisse passer. Il y a 2 joueurs qui accompagnent Bellingham. Il a tout l'espace et le temps, Valverde, pour frapper, même si elle est contrée, elle est déviée. Mais voilà, c'était le travailler pour qu'il puisse avoir cette frappe. Quelle frappe! On sait tout ce qu'il a, une belle frappe, Valverde. Encore une fois, la preuve avec ce but en première période. Et puis après la pause, c'est au tour de Vinicius de marquer de loin. Oui, parce qu'il décroche, on voit que le défenseur, dès qu'il reçoit le ballon de Valverde, le défenseur recule. Et là, il a aussi le temps d'ajuster, il demande une belle frappe qu'elle part en pleine. Celle-ci, elle n'est pas du tout déviée, qui prend la puissance qu'il faut. Vous voyez comme elle part, le gardien, il va essayer de la toucher, mais trop tard, belle frappe de Vinicius, poteau rentrant. C'est un but splendide, effectivement. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 dans la douleur contre Villarreal. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer ce Real Villarreal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour ne pas. Alors, le Real Madrid s'impose 2-0. Jamais de 10 dans la douleur, puisque le Real Madrid, ils ont galéré. Le Real, c'est 2 tirs cadrés. Le Real a seulement 4. 2 tirs, pour moi, c'est vraiment insuffisant. Donc, dans ce match, Carlo Ancelotti, il a fait jouer Tchouaméni enchaîné central. C'était un 4-4-2. Avec Tchouaméni Rudiger, il a préféré mettre Tchouaméni à la place de Elder Militao. Et au milieu, tu avais Camavinga qui fait son retour. Tu avais également le duo Vinicius-Kylian Mbappé. Le Real Madrid déboule le match à la 14e minute. C'est une frappe contre de Valverde. Ensuite, Vinicius fait le match à la 73e minute. J'ai envie de dire, ce Real-là, c'est pas trop convaincant dans le jeu. Le Real n'est pas trop convaincant. Le Real, certes, ils ont pris les 3 points. Vous savez à quel point c'est toujours hyper important de prendre les 3 points. Mais dans le contenu, c'est pas vraiment rassurant. Ce n'est pas rassurant dans le contenu. On a vu une équipe du Real qui s'est fait secouer par Villarreal. Villarreal a failli même obtenir un penalty. Le jeu de Villarreal était hors jeu de départ. Bref, ce Real-là n'est pas convaincant. Carlo Ancelotti essaie de trouver les solutions, essaie de modifier son animation offensive, essaie de changer même sa façon de jouer, sa tactique et tout, mais on constate que il n'y a pas vraiment de progrès, non. Le seul point positif, selon moi, c'est que le Real Madrid n'a pas pris de but. Le Real n'a pas pris de but. Et pour moi, c'est un point positif. Lorsqu'on sait la fébrilité défensive du Real, ne pas prendre de but, c'est hyper important. Donc, dans l'ensemble, victoire du Real, mais victoire quand même dans la douleur, puisque Villarreal
Le score pour moi ne reflète pas la physionomie du match. C'est un peu trop sévère. Le 2-0 pour moi, c'est un peu trop sévère. Une équipe du Real vraiment qui cadre seulement deux tirs. Lorsque tu cadres deux tirs à domicile, ça signifie que dans le jeu, c'est vraiment très très moyen. Mais, comme je l'ai dit, le plus important, c'est prendre les 3 points. Et le Real, ils ont fait le job contre Villarreal. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Real Madrid mérite sa victoire contre Villarreal? Dis-moi tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.